Ce résumé vous est présenté par Takeaway.com et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Il est pas mal donné d'ailleurs. Oh, Boupo peut être bien repris aussi. Et elle est courte celle-là. De nouveau une faute technique. Anthony Mazraoui. Oh, de l'autre côté, il l'a pas vu. Ça arrive quand même. Mais c'est goal ça. Oh, c'est magnifique. Tadic tranquille. Le premier but devait venir d'une boulette. Ben voilà, un contrôle raté. Une erreur, ça se paye cash. On la voyait venir. Oui, Marc, honnêtement. Oui, on voyait ça venir. On voyait venir. D'abord, il y a une paire de balles, comme vous le dites. Mais alors, la reprise, il a pris son temps. Techniquement, Marc, c'est surprenant même parce que c'est très délicat, c'est très compliqué à la reprendre. Elle rebondit, il prend l'intérieur du pied. Est-ce que vous ne pensez pas, pour Benfica, le fait que ce ballon arrive à Tadic, c'était le joueur, il ne fallait pas que ça arrive. Exact. Parce que s'il y en a un qui est capable de faire ce que vous venez d'expliquer là maintenant, c'est lui. Elle est pas mal, elle est pas mal. Avec la reprise maintenant, du droit, elle partait bien celle-là. Vertonghen, allez encore. Bam. Et il s'est maintenant. Bien joué Vertonghen, parce que c'est ça qu'il voulait. Il a flashé dedans, comme on dit, pour que ce ballon soit un problème pour l'Ajax. Et d'ailleurs, il ne le fait même pas. Hein, ça, il restera un Ajacide pour le restant de sa vie. Mais en attendant, c'est ce qui pouvait arriver de mieux à la rencontre. Et un Vertonghen qui, en respectant ses couleurs, ne marque pas lui-même, mais fait marquer l'adversaire. C'est Timber qui vient comme ça dans l'axe de temps en temps pour apporter des petits surnombres. Oh, elle est belle celle-là. Quelle sale balle. Quelle sale balle. Oh. Et le but, le voilà, tiens. C'est pas vrai. Allez, deuxième but. Un contre son camp. Un pour l'Ajax. La réaction est immédiate. Mais franchement, comment est-ce que David Moyes a pu voir un jour que ce type-là manquait de lucidité, de clairvoyance devant le but? Je me demande qui manquait de lucidité, de clairvoyance. En tous les cas, ce qui manque, Marc, c'est ce côté droit. Hein. C'est inquiétant du côté de Benfica. Encore une fois, je ne sais pas comment, mais on laisse trop vite centrer. Et là, c'est en deux temps. Hein. Donc, il est au premier poteau. Le déplacement est parfait. Anthony est seul. Hein. Alors, est-ce qu'il peut aller provoquer, frapper? Il ne l'a pas encore fait. Hein. Oh, magnifique. Quelle passe. Oh, c'est bien joué. Et alors? Oh, c'est pas vrai. Everton. Mal joué, excellent, et ça aussi, oh, magnifique action. Hein. Une erreur de l'Ajax, c'est rare ça. Est-ce que ça peut aller au fond? Oh là là, c'était bien tenté. Pourquoi il avait deux solutions? Avec Timber qui. On va dire que dans l'ADN des Néerlandais, c'est pas forcément des simulateurs. Il reste au sol, Timber, mais il va vite se relever parce qu'à un moment donné, il faut y aller. Ils sont à 3 contre 3. Et là, quel arrêt! Pas suffisant! Pas suffisant! Ça va au fond! Et qui marque ça? Yaremchuk, évidemment. S'il y en a un pour marquer ce genre de but, c'est bien lui. C'est encore effleuré, il n'y a rien. Non, non. Non, non, très honnêtement, il n'y a rien. Et là, en revanche, moi, je trouve que la responsabilité qu'il prend, là. Maintenant, l'arrêt, il n'est pas surpris par la trajectoire un peu flottante. Je sais pas. Ouais, je sais.
Il doit normalement la mettre, pour moi, la dévier au-dessus. Mais ça vient vite, ça vient fort, c'est compliqué. Tadic. Elle est belle. Il n'y a personne là-bas, mais il y a beaucoup de monde. Et quand même. Est-ce qu'il n'a pas fait pour la photo, celle-là? Si. Ce résumé vous a été présenté par Takeaway.com et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.